Salut à tous à la salle, bienvenue dans la présentation de ce véhicule incroyable dont le nom m'échappe et c'est la LM87. Alors c'est un véhicule casse-cou, hein, enfin du DLC casse-cou. Enfin, c'est pas un véhicule du DLC casse-cou, mais c'est le même type de véhicule. Ça se voit, hein, c'est un mélange de pas mal de véhicules du DLC casse-cou. Alors c'est le véhicule le plus cher actuellement des super sportives de GTA V. Et je suis en compagnie de Razor. Salut Razor, j'ai oublié, mais. Salut. On va customiser le véhicule, Razor et moi. Et bah on va voir hein, qui fait une bonne customisation. Tu es Ouais, tout à chaud? fait. Ouais, je suis chaud. Ok, bah c'est parti. Alors. Genre des customisations d'admin, c'est déjà ça. Ah ouais, comment ça se Ah ouais, fait pas? Pas ça mal, pas mal. Il va kiffer, je se pense. fait pas. Ouais. Wow! Il y a des beaux échappements. Échappement, ouais, je Ouais. suis en train de regarder ça moi aussi. Ils sont beaux. Ouais. Celui-là. Bah ouais, on nous propose de changer la calandre qui ne se voit pas. Ouais. C'est ça le plus. Ils font modifier des trucs, c'est invisible sans que tu ouvres le capot ou que ce soit. Bah, ça du coup. Oh. Attends, il y a un problème, le capot, c'est ça ou. Effectivement, c'est ça. Il modifie pas que le capot, en fait, il modifie toute la partie avant. Ouais. C'est vrai, de haut en bas. Je vais mettre celle-là, moi. Klaxon, je m'en fous. Éclair, je regarde plus tard. Les Est-ce motifs. que tu... Ouais, est-ce que tu les as vus? Est-ce que tu as vu les motifs? Je suis dessus, c'est vraiment les motifs de course habituels, mais C'est DLC casse-cou, dégueulasse. quoi. Ils sont assez dégueux, mais bon. Il va falloir changer la couleur pour mieux voir parce que il y a des trucs en fait qui sont bien colorés alors que je suis en couleur noire quoi. La couleur va être importante, mais difficile à gérer. Ouais. Je vais mettre ça comme truc. Rétroviseur. Ouais, bon ça change pas grand chose en fait. Garde-boue. Il ouais, y a des garde-boue. J'aime bien, mais... Par contre, ouais. Perso, je. Ouais. Black, bah. Ça va être Ça change. difficile. Ouais, ça va être difficile à custom ce truc-là. Alors, couleur. Oh my god, c'est dur. Je vais rester sur une couleur classique. Ouais, toi aussi, c'est dur là. Hein. Ouais, je n'en peux plus de ça. C'est vraiment un véhicule difficile à customiser. Ouais. Trop. Alors, ça Alors, change que ça. Eagles. La couleur Ça secondaire, pourrait. elle change quasiment rien, je sais pas si t'as vu. Ouais, attends, je regarde. En fait, moi, je la vois pas changer quoi que ce soit. C'est ça le Moi, truc, c'est elle m'a que pour moi, changé j'ai un seul pas. truc. Bizarrement, j'ai l'impression que c'était rétroviseur. Je sais pas pourquoi c'était rétroviseur. Ouais, non, 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 c'est autre chose. Bah, moi, je vais mettre une couleur secondaire la même, mais bon, j'ai rien changé en fait. C'est... Ça. Ensuite, pas de caisse. Par On contre, peut ils mettent une vue, refermer. mais je vois pas comment attends. Eh ben, on Ouais. ferme. Alors, on va mettre celle-là. Séparateur. Ah, Ah, voilà. t'en es là aussi, pareil. Enfin, un truc qui me. Ouais. Eh ben, pareil, hop, séparateur, c'est bon, on peut changer l'aileron. Ah, Ah, bah, c'est tant juste mieux. l'écriture qui change. Ah non. Ah, non, non, rien de plus bas. Le rendu, il a changé. Il est pas le même. Pas le même que. Wow, ouais. Oh, celui-là, il me plaît, par contre. Oula, on a une plaie. Par contre, lui, il est énorme. Ouais. Oh, c'est plus un aileron, là. C'est des ailes d'avion. Mais pour Ah, le je vais mettre fun, celui-là. il faut oser, il faut oser, je vais oser. J'ai l'impression d'avoir un derrière de Formule 1 avec cet aileron-là. J'avoue. C'est quoi? On joue le fun. Moi, je joue le fun.
les suspensions, je les mets jamais. Les roues. C'est quoi comme type de roue là? Pour moi, ça aurait été plus des. Comme les Formule 1, des ultra légères. Mais comme on peut pas, bah. Moi, je vais pencher sur des routes de rue. De rue. Je crois que j'ai. Celles-là, elles sont pas mal, mais. Je pense qu'il y en a d'autres qui sont meilleures. Ok, alors du coup il me manque un truc. Non, on va pas mettre apparence des pneus. Bah. Ça, on est pas là. Tu sais que j'ai découvert que sur le véhicule que t'as custom en premier, là, la Toreado, là, ou je ne sais quoi. Ouais. Tu pouvais, quand tu le mettais au salon à l'est, tu pouvais aussi mettre les pneus faible adhérence. Ah ouais, bah oui, mais moi je pouvais pas. Je suis deg. Du coup, on se donne rendez-vous à la plage, moi je suis prêt. Hein. Moi je suis prêt aussi. Je viens de finir, un instant. Eh ben, rendez-vous à la plage en essayant de pas se spoil, donc de pas se rendre. Et en essayant de pas détruire la voiture aussi. Ouais, moi je fais attention, j'y vais vraiment doucement. J'y vais vraiment très doucement, ouais. La plage comme d'habitude quoi. Ouais. Bah ouais, la plage côté plage. Ok, le camion vite. C'est vrai que tu sais que c'est quand même délicat de pas faire d'accident. Hein. Ouais. C'est le truc de garder la voiture propre, c'est vraiment le truc que tu dois faire à chaque matin, sinon t'es obligé de la recommander. Et même quand t'arrives à la plage, parce qu'il y a des. Il y a des rebonds. Il y a des gens, et puis si tu les écrases, bah, là, t'as du sang. Dessus, ouais. Ok, j'y suis, je t'attends. Let's go. Faire gaffe pour pas éclater ma caisse. Oh, je me mets au milieu, allez. Ah, toi, tu vas devoir tourner pour pas avoir ma voiture. Oh my god, je l'ai sali. Bah oui, quand t'es rentré sur le sable. Ouais. Oh, je recommander, je pense. Hein. Attends, je réfléchis. Déjà, je regarde, t'es où? Ok, t'es là. Sinon, t'as un car wash. Il est loin dessous, mais non. Ben, là où je suis, en fait. Vite, c'est où? On se donne rendez-vous là-bas, au pire? J'y suis, en fait. Ok. Je vais me mettre, tu sais, à l'opposé pour pas voir ta caisse. Et puis, je vais mettre. Attends. Je vais mettre un endroit où je pourrais pas te voir, tu vois, comme ça. Moi, ouais. Je spoil ni l'un ni l'autre. Ok, vas-y, ça marche. Moi, j'arrive là, mais vraiment vas-y, vite. Moi, je suis derrière, tu vois, je suis derrière le machin. Vas-y. Ah, attends, t'es derrière, ok, c'est bon. Attends, juste à tourner à gauche, et c'est bon. Ouais, nickel, je vais passer par là. Attends, je vais me mettre sur le parking, parce que s'il y en a qui me foncent dessus... Heureusement que j'ai pas mis des suspensions. Heureusement. Attends. Je suis peut-être rentré du mauvais côté. C'est vers le magasin que tu peux adorer. Ouais, ouais. Passons par le magasin. Ok, c'est bon. Je suis dedans. Il est en train de me laver la voiture. Tu peux venir et te placer où tu veux. Hein. En première personne pour pas spoiler. Voilà. Et je sors. Par contre, la vue est horrible en première personne, hein, je te dis tout de suite. Ah ouais? Ah oui. Mais attends, t'as remarqué qu'il y avait qu'une place? Oui, j'ai remarqué quand je suis rentré dedans. Hein. Quand j'ai customisé, je me suis dit, mais il y a qu'une place. Mais en première personne, on voit rien, mais c'est une torture. Ah bon, on va rester ici, allez hop. Parfait. Alors. Ouais, on a fait à peu près la même. Hein. Ah ouais? On a le même. Ah oui, on a tout. On a, la même, on a les mêmes coups à peu près. Hein. J'ai juste mis. Toi, t'as mis une couleur blanche, moi j'ai mis une couleur argent. Exactement. Mais c'est incroyable. Les gens, toi, t'as pas changé. Mais on a le même aileron aussi. les mêmes pots d'échappement. Bah, ça change d'une customisation en avec vrai, la nuit, non? En vrai, si tu regardes bien, les jantes, c'est pas les mêmes. Moi, j'ai non, mis non, des c'est jantes pas de, les mêmes. De voiture de course, enfin, des jantes de rue, toi, t'as mis les normales. T'as les laissées. Ouais, je les ai trouvées belles. Bah écoute, c'est là du coup on peut pas juger puisque c'est la même chose.
C'est la même chose à deux détails près, mais sinon c'est la même chose, ouais. C'est exactement pareil. Après, les goûts des couleurs, bon, Ah. pas, voilà, chacun sa couleur, je veux dire, on peut Ah. pas juger. Ah, t'as mis les... Toi, t'as mis les garde-boue. Moi, je les ai pas mis, tu vois. Oui. Moi, je Exact. les ai pas mis. Bon, bah, on va tester. Vu qu'on peut pas juger, on va tester si ça tient bien la route. Allons-y, hein. Direction Par autoroute, contre, du coup. pour le, pour, ah oui, t'as mis quoi en néon? Moi, j'ai mis rouge. Ah, j'ai pas mis de néon, tu vois. J'ai pas mis de néon, moi. Ah, ok. Par contre, pour un véhicule qui coûte 2 millions 900, alors attends. 2 915 000, si je me cours pas. 2 915 000, avoir une place dedans, c'est un peu du foutage de gueule. Hein. Entre, en fait, c'est le truc entre une place dedans et en même temps le moins, le peu de customisation visible que tu as. Ouais. Alors le Que véhicule il tient bien tu. la route, même dans les virages, mais je pense que si le virage est un peu trop violent, il tient moins bien que les autres super sportifs. Ah Oh, par contre, mon véhicule a fait un truc bizarre. Hein. il accroche le sol. Hein. Là dans les sauts, il a Ah tendance à pas bah vouloir trop moi il m'a fait un sauter. truc bizarre opposé à ce que tu viens de dire. Ah, il a sauté. Genre j'ai tourné, il s'est soulevé tout seul et puis je me suis tapé une voiture. Tu vois, ça Je sais pas. Ouais. tient, mais Ouais. ça. Ça veut déraper quoi, je force un petit Attends, peu mais je vais essayer de voir un peu ouais, si. ça part en tête à Ouais, queue. ça veut déraper en fait. C'est vraiment un véhicule de course casse-cou, c'est pas un véhicule fait pour les Pour routes. la rue. Donc un bon véhicule sûrement dans les courses casse-cou. Bon on va tester. On lance une course casse-cou. Alors Ouais, LM87 allié. Custom, on peut le prendre, Allié. parfait. Allons-y. Et bon on va voir Pour ce que voir ce ça qu'elle donne. vaut. J'espère qu'elle est bonne dans les courses parce que Ouais. vu le Mais sinon, prix, ça serait. Ouais, vu l'arnaque. on essaye de pas freiner dans les virages pour voir ou c'est trop Ouais, serré. on va voir. Hein. Faut bien tester un peu. Alors, bon pour l'instant il n'y a pas besoin de freiner. Et Aussi ah là, si ouais déjà il il faut est en train de freiner. freiner. Ouais, Ah! là il faut freiner. Ok. Te confirme qu'on va devoir freiner dans le virage. Ouais, bah ouais. Et j'ai à peine relâché l'accélérateur que j'étais obligé de te taper dans l'accident. Ouais, par contre, on va Wow, plutôt j'ai loupé loin. le point là! J'ai failli louper le point. J'ai vu. J'ai pris ton aspi un peu trop abusé. Ouh, moi j'ai pas pris ton aspi. Mais Ah, je je crois prends les que j'ai bords, c'est pris pour dans le. ça. Ah oui. Ah, t'as mon aspi là. Ouais. Vas-y, je te laisse passer. Tu reprends l'intérieur, de toute façon. Ok. Oula, Wouh, c'était chaud. Ah ouais, mais t'as vu, le véhicule ne veut pas oula. sauter. Le véhicule, il saute pas. Il reste vraiment accroché au sol. Ah bah ouais. Bah heureusement qu'il a réussi à sauter ça, c'est déjà ça, mais il est vraiment accroché au sol. Parce que dans le tuyau, moi j'ai tout de suite touché le sol. Ouais. C'est vrai que c'est. Là c'est. On peut être sûr que c'est un véhicule qui est fait pour les trucs casse-cou. Ouais, il est vraiment fait pour les courses casse-cou. Alors. Par contre, ouais, il veut vraiment retourner au sol le plus rapidement possible. Hein. C'est Là, pas j'ai un chier si saut, je vous. vais te dire. Ouais, c'est limite, quoi, vraiment. Donc, c'est vraiment fait pour ça. Ouais, faudrait tester tu sais, sur ligne droite avec un autre véhicule, mais ça faudra attendre les autres véhicules. Alors, je vois rien de ce qui se passe devant. Oh. Il est parti en cacahuète dans le tuyau. Et franchement, je ne vois rien. Ok. C'est vraiment. Faut être bien droit quand même, hein. Ouais. Il atterrit bien. Je viens de faire un grand saut, il a très bien atterri. Il n'y a pas de souci sur ça. Les atterrissages, c'est bon, c'est juste qu'il veut garder les pieds sur terre. Enfin, les roues sur le sol. Ah bah c'est fini. Ok. Eh ben, ce fut un plaisir. Ouais, pour ce genre de course, c'est très bien. Mais si vous n'avez pas de sous, ne l'achetez pas, il est quand même très cher. Et pour ce genre de course, personne n'utilise ce genre de véhicule, en tout cas pas trop. C'est plus les Krieger, tout ça.